Qu'est-ce que ça représente pour moi, la sardine? La sardine, pour moi, ça représente déjà un gagne-pain, à la base. Voilà, c'est tout. Donc, je fais ce métier, là, c'est pas pour l'amour du métier, c'est parce que, bon, normalement, ça doit rapporter, quoi. Voilà. Ça doit rapporter, on doit avoir un salaire un peu mieux que le gars qui travaille à terre. En règle générale, tous les marins qui font ce métier-là, c'est ça. Tu trouveras pas un qui va te dire c'est pour l'amour du métier, ou alors il va se fiche de toi, quoi. Voilà. Il y a une quinzaine d'années, on était 6 bateaux. Maintenant, on se retrouve à 24 ou 25. Forcément, il y a de la concurrence. Hein. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Après, il y a des jeunes qui sont venus se lancer dans le métier. Là. Il y a plein de jeunes, là, d'une trentaine d'années, des jeunes patrons. Ils en veulent, quoi. Ils ont des charges, ils ont de jeunes enfants, ils ont des maisons, une maison à payer. Enfin, tu vois, là, voilà. Donc, il faut travailler. Puis, il y a un équipage aussi. 7 bonhommes, faut les nourrir. Hein. Quand je suis dans mon travail, je suis un autre homme. Pas pareil, parce que bon, je suis à fond dedans, quoi. Parce que bon, on va pas dire que c'est grave, mais c'est important. Parce qu'il y a un tas de choses qui en découlent de cette histoire-là. Hein, bon, y a des familles, y a plein de choses, quoi. Des fois, on n'est pas trop, tu vois, prêté à... On n'est pas disposé tout à fait, forcément, parce que, bon, voilà, quoi. Parce que, bon, en plus de ça, vu le départ de cette année 2013, là, qui a été très, très mauvaise, et on est arrivé bientôt le 15 août, ça n'a pas grandement évolué. Hein. Donc tu vois, quand on est là-dedans, bah, on espère, tu vois, et puis bon, des fois, après on n'espère plus parce qu'on voit que ça vient pas, puis bon, bah, c'est pas tout d'être... des fois, on me dit que je suis pessimiste, mais non, il faut être réaliste. Cette année-ci, pour moi, ce ne serait pas une bonne année. Hein. Thank you.
je suis en colère sur contre qui finalement ? Contre le système quoi. Et puis contre le fait d'être là finalement, piégé dans ce système là. Parce que comme je te disais au départ de l'interview, ben moi je fais ce métier là parce que bon, en principe, on gagne un peu mieux que le gars qui travaille à terre, qui gagne le SMIC quoi, 1000 euros. Normalement, c'est un métier dur, mais on va là, tu vois, pour avec l'intention d'avoir un salaire quand même qui sort un peu de l'ordinaire. Si ça reste en dessous du SMIC, voire du SMIC, c'est plus la peine quoi. Autant aller chercher un boulot à terre. Hein. Donc on fait un sacrifice, mais en échange, on veut quand même un bon salaire quoi. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Et je vois que, et depuis quelques années, je vois que ça diminue. Hein. Ça diminue. Il y a de moins en moins de sardines. Et puis il y a de... Comment je dirais ça? On fait de plus en plus de jours de mer. On va de plus en plus en mer l'hiver sur n'importe quel temps. On part de plus en plus tôt. On fait de plus en plus d'heures. Tout ça pour gagner beaucoup moins qu'avant. Alors, tu sais, à force, qui serait pas un peu aigri de tout ça? Ça peut se comprendre. Hein.